Alors, l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur les enfants ingrats. Parce que oui, il y a des enfants qui sont très ingrats. Il y a des enfants, tu les mets au monde, tu as l'impression d'avoir accouché ton totem. Tu as l'impression d'avoir commis un péché. Moi, je ne comprends pas. Il y a des parents qui souffrent à cause de leurs propres enfants. Je ne parle pas des parents ingrats parce que c'est chacun son tour. Je parle des enfants ingrats. Les enfants pour qui les parents ont tout misé. Les enfants pour qui les parents se sont sacrifiés pour que ces derniers aient un avenir meilleur. Quand vous grandissez, vous faites ça dur à vos parents. Des fois, l'un des parents vous avait abandonné, comme la dame qui m'a écrit. Elle est venue en Europe avec ses deux enfants. Le papa les a abandonnés il y a de cela 17 ans. Sauf qu'aujourd'hui, les enfants sont en train de faire la mère, la guerre. Parce que les enfants veulent que la maman fasse venir le papa qui a 24 enfants avec des femmes différentes. On a vu ça. Hein? La dame dit qu'elle ne respire plus. Elle a besoin de vos conseils parce que là, elle n'en peut plus. Ici en Europe, vous-même, vous savez, hein, dès que tu fais un petit truc comme ça, on a l'impression que tu es venu ici là pour payer, je ne sais pas quoi. On te fout en prison à cause des enfants. Des fois, c'est les enfants qui nous font ça, mais à un degré où tu ne sais plus comment faire. Ma chérie, tu dois tenir le coup. Ce que tu dois te rappeler, c'est que c'est toi la maman. C'est toi qui s'est sacrifié pour eux. Donc, c'est à eux de t'obéir. C'est à eux de t'écouter. C'est à eux de te respecter. Si tu ne te reproches de rien dans l'histoire, là, fais tout, tu enlèves tes pieds dedans. Hein, parce qu'ils sont capables de te foutre dans le trou. D'accord?